Vol en avion, atterrissage sur une île bien plus grande que la France. 6 heures en taxi brousse, 10 kilomètres de marche à pied. Et nous voilà dans un petit village. Un tout petit village dans la grande île de Madagascar. Sans télé, sans radio, sans jeux vidéo. Oh. 8 heures du soir. Au loin,
On entend les enfants qui jouent au clair de lune. Les lémuriens se sont tus, laissant place au ululement des hiboux, au grésillement des grillons, au croassement des grenouilles. Nous sommes confortablement installés au coin du feu. Les braises se consument lentement, dégageant un parfum agréable d'eucalyptus. On se laisse aller, calme, détendu. Muramura, muramura, muramura. Tayagwulu. Il était une fois. Savez-vous ce qu'il y avait il y a très 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 longtemps? Très longtemps. Au tout début, à l'origine des origines. Ton grand-père, il n'était même pas né. Le grand-père de ton grand-père, il n'était pas né. Et le grand-père du grand-père, 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 de ton grand-père, n'était même pas né. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait deux êtres. D'où ils venaient, personne ne sait. Mais tout ce qu'on sait, c'est que tous les deux étaient très puissants. L'un habitait en haut et l'autre en bas.